Hello. C'est quoi ton prénom? Elliot. Salut Elliot. Alors, on m'a dit que les gens qui avaient joué à Bloodborne étaient devenus tellement dangereux, ils pouvaient se transformer en espèce de créature, que vous étiez derrière des grilles, c'est vrai? Oui, c'est la raison pour laquelle on est tous enfermés là-dedans. On est beaucoup trop violents pour la société. Hein. D'accord. Ça c'est une bonne nouvelle. Hein. Je suis content d'être de l'autre côté de la grille. Alors c'est quoi tes impressions sur le jeu? T'as pu le tester, j'imagine? Oui. Alors j'ai failli vaincre le boss de cette démo, mais malheureusement il était beaucoup trop difficile, j'ai pas eu l'occasion de le vaincre. J'ai trouvé le jeu excellent, les graphismes du jeu sont impressionnants, le gameplay est intuitif, très rapide. J'ai simplement adoré la démo. Tu étais aussi un fan de Dark Souls, Demon Souls, comment tu le comparais à ces références? C'est très similaire sur le coup de... C'est une difficulté beaucoup plus haute que les jeux normalement, mais le gameplay en soi, il demande une approche beaucoup plus agressive comparée à Dark Souls, puisque tu n'as pas de bouclier et la seule manière de te défendre, c'est en attaquant dans ce coup. Bah, génial, on va te laisser dans ton enclos pour joueur sanguinaire du coup, et on va se barrer avant que tu te transformes.